Au temps où Rome étendait son empire jusqu'aux confins du monde oriental, les Juifs devaient supporter l'occupation romaine et payer tribut à César. Leur roi, Hérode le Grand, qui régnait sur la Judée, soutenait Rome et les Juifs vivaient dans l'humiliation et l'espérance. Chacun attendait la venue du Messie. Or, quelque part en Galilée, se trouvait un village du nom de Nazareth. Bonjour, Marie. Bonjour, Esther. Regarde, Marie, j'ai de belles cartes toutes fraîches ce matin. Merci, Abigail. J'en parlerai à mes parents. Tiens, Marie, ça, c'est pour toi. Merci, Eliezer. Je la mangerai en poinçon à toi. Bonjour, Marie. Bonjour, Déborah. Plus fort, Thomas, plus fort. C'est toi, Marie. Ça, c'est pour toi, Sarah. Raconte. Moi, je ne la crois pas. Si, c'est vrai. Elle dit que Gédéon a voulu lui prendre la main à la sortie de la synagogue. Parfaitement, il l'a fait. J'espère qu'il nous invitera toutes à la noce. Tu as vu, Joseph, les yeux qu'il te fait? Que tu es bête, ma pauvre Judith. Joseph me regarde, tu sais pourquoi? Tout le monde le sait. Ah, c'est toi, Marie. Je viens voir si tu as fini la cage aux tourterelles. La cage aux tourterelles. Ah oui, la cage aux tourterelles. Ça n'est pas ça? Ah. J'ai mis deux compartiments, comme ton père me l'a demandé. C'est pour les tourterelles. Il faut les séparer pendant la saison des amours. Il arrive parfois qu'elles se piquent jusqu'à la mort. Les bêtes sont parfois aussi cruelles que les humains. Ta cage est très réussie, Joseph. Merci. Est-ce que tu me permets de t'offrir un couplet de tourterelles pour le sacrifice de la Pâque? Je te le permets. Bonsoir, Anne. Je peux rentrer? Je voudrais vous parler à toi et à ton mari. Entre, Joseph. Nous avons juste terminé notre repas. Salut à toi, Joseph. Assieds-toi. Nous t'écoutons. Voilà. Vous savez qui je suis. Je m'appelle Joseph. Je vais avoir 30 ans. Je suis charpentier. Je gagne bien ma vie. Mon atelier et ma demeure sont à moi. J'ai aussi des économies. Pas beaucoup, mais assez pour prendre femme. C'est Marie, votre fille, que je veux. Je viens vous la demander. Joseph, tout le monde te connaît comme un homme juste et bon. De plus, tu es de la lignée de David, comme nous. Mais Joseph, aimes-tu Marie? Si Marie ne voulait pas de moi, je ne pourrais même plus travailler. Tu sais que selon notre tradition, une fille décide librement du choix de son époux.
Je sais. Tu peux aller parler à Marie. Elle est en bas. C'est toi, Joseph. Tes parents m'ont permis de venir te parler. Que tu es beau, Joseph. Tu vas à un mariage? Tu te moques de moi? Non. Je ne me moquerai jamais de toi. Tu voulais me parler? Oui. Mais c'est difficile. Je ne sais pas très bien trouver les mots pour te dire. Tu veux me demander si je veux bien de toi comme fiancée? Oui, c'est ça. Je serai ta femme, Joseph. Va maintenant. Je te salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu vas concevoir et enfanter un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour des siècles et des siècles, et son règne n'aura pas de fin. Comment cela serait-il, puisque je ne connais pas d'homme? L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Ta parente, Élisabeth, a elle aussi conçu un fils dans sa vieillesse. Elle, qu'on appelait la stérile, va enfanter, car rien n'est impossible à Dieu. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il m'arrive selon ta parole. En ce jour-là, Marie partit et se rendit en hâte dans une région montagneuse de la Judée, là où demeurait sa cousine Élisabeth. Es-tu Zacharie, le mari d'Élisabeth? Puis-je voir ma cousine? Oh, Marie, le fils que je porte a tressailli de joie à ta vue. Tu es bénie entre toutes les femmes, et l'enfant que tu as conçu est béni. Tout me vient ce bonheur de voir la mère de mon Seigneur venir vers moi. Mon âme glorifie le Seigneur. Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté un regard sur son humble servante. Désormais, toutes les générations me diront bienheureuse,
parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Bonjour, Joachim. Bonjour, Anne. Pardonnez-moi de troubler votre recueillement, mais avez-vous des nouvelles de Marie? Voilà plus de 3 mois qu'elle est partie. Non, Joseph. Marie est toujours chez sa cousine. Elle est sans doute restée pour aider Elisabeth au moment de son accouchement. N'aie pas d'inquiétude, Joseph. Marie est une fille sage. Si elle est restée, c'est que son devoir l'exigeait. Dès qu'elle arrive, nous te faisons prévenir. Merci. Et Marie demeura avec Elisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Alors te voilà revenue, Marie. Bon voyage. C'est bon, Déborah, merci. Alors, Joseph, tu dois être content. Et pourquoi ça, Déborah? Ta fiancée de retour. Marie est revenue? Tu l'as vue? Je viens juste de la croiser. Tu as terminé mon escabeau? Oh non, non, pas encore. Reviens demain, Déborah. Tu es pressée de la revoir, ta Marie, hein? Forcément. Elle est si jolie et si sage. Enfin, dis-nous au moins si c'est l'enfant de Joseph. Alors de qui? Mais ma pauvre enfant, tu sais ce que tu risques? Si ton fiancé, comme c'est son droit, te répudie publiquement, tu sais ce qui va t'arriver? La loi de Moïse le dit. Si une jeune fille vierge, fiancée à un homme, couche avec un autre homme, elle sera conduite à la porte de la ville et lapidée jusqu'à ce que mort s'en suive. Ah non, Dieu puissant, pas ça! Voilà ce qui t'attend. Est-ce que tu comprends? Je vous demande pardon. C'est Joseph. Laissez-moi seule avec Joseph. Je vous en prie. Entre, Joseph. Je ne te demande rien. Ni son nom, ni où, ni quand. Merci, Joseph. Et chez toi? Tu sais que j'ai le droit de te faire mourir. Je sais. D'une mort affreuse. Sous les pierres. Je sais, Joseph. Et tu n'as pas peur? Non, Joseph. Tu dirais que tu es heureuse d'attendre cet enfant? Je suis heureuse. J'ai un peu peur aussi. Joseph, sache-le, l'enfant que je porte n'est pas celui du péché. Et de qui est-il alors? Tu le sauras, quand tu seras capable d'entendre la vérité. À quoi bon maintenant? Je ne répudierai pas Marie, publiquement. Elle vivra. Elle et l'enfant qu'elle porte. Béni sois-tu pour ta mansuétude. Veillez sur elle. Huh?
Joseph, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta fiancée, car ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Pardonne-moi, Marie. Je ne suis qu'un pauvre homme, borné et plein de passion. Ton fils sera le mien, à la face des hommes. Daigne entrer dans ma maison. Quirinus, gouverneur de Syrie, fais savoir à toutes les populations de Galilée, de Judée, de Samarie et de la Décapole que le divin César Auguste ordonne le recensement de l'Empire. En conséquence, chaque famille devra se faire recenser dans sa ville d'origine, selon les délais prescrits et sous peine d'amende et de prison. Ces Romains nous prennent pour du bétail. Il va falloir que moi et les miens nous allions nous faire recenser à Césarée. Tu te rends compte? Et vous? À Bethléem, en Judée. Marie et moi, nous sommes tous deux de la lignée de David. Bethléem? C'est deux fois plus loin que Césarée. Dans ton état et en plein hiver, c'est risqué, Marie. Oui. C'est risqué. J'ai peur, Joseph, peur pour lui. Ce voyage est impossible. Nous nous ferons recenser après ton accouchement. Non, tu as entendu ce qu'il a dit. Tu risques d'aller en prison. Qu'est-ce que nous deviendrions sans toi? Il faut partir demain pour Bethléem, c'est plus sage. Je suis plus solide que tu ne crois, tu sais. Il faut absolument arriver avant la nuit. Il paraît qu'un enfant commence toujours sa vie en souriant à sa mère. Bientôt Jésus me sourira. Ces croix partout en Judée. Elles sont l'œuvre d'Hérode, le grand. Ses crimes et son règne crient vers l'Éternel.
ici, Marie. Et surtout, ne perds pas courage. Oh Seigneur, où es-tu? Pourquoi nous laisses-tu si seuls dans cette nuit d'hiver? Allez, on va vous trouver une petite place où vous serez au chaud. Venez. Ici, vous serez tranquille. Je vous laisse la lanterne. Merci. Alors ? Ça te plaît, Marie ? Mon fils n'aurait pas pu désirer un plus beau palais pour venir au monde. Soyez sans crainte, car voici que je vous annonce une grande joie qui sera celle de tout le peuple. Il vous est né aujourd'hui dans la ville de David un sauveur qui est Christ Seigneur. En voici le signe. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Alors que l'enfant naissait dans l'étable de Bethléem, les rois mages arrivaient à Jérusalem. C'étaient des princes astrologues versés dans la science des astres et savants dans l'interprétation des songes. Ils venaient de Chaldée, dans le lointain Orient. Seigneur, ils sont là. On m'a rapporté que des mages venus d'Orient viennent d'arriver à Jérusalem. Ils disent avoir lu dans les astres la naissance d'un roi des Juifs. Seigneur, tous ces astrologues sont des sacrilèges qui offensent Dieu. Sans doute, mais n'y a-t-il pas une ancienne prophétie qui annonce la venue d'un roi d'Israël ? C'est exact, Seigneur. Il est écrit « Et toi, Bethléem, terre de Juda, c'est de toi que sortira un chef qui sera pasteur de mon peuple d'Israël. » Bethléem. C'est bien, laissez-nous seuls. Nous venons saluer le Sauveur qui nous est né. Nobles et savants seigneurs, salut. J'ai souhaité vous rencontrer afin d'entendre de votre bouche s'il est vrai que les astres vous ont révélé la naissance d'un roi des Juifs. C'est exact, puissant roi. Nous sommes venus lui rendre hommage. Ainsi donc, votre science vous aurait révélé la naissance du chef d'Israël. Nous le savons de sources certaines.
nous avons vu son astre à son lever. C'est une grande espérance que vous apportez à mon peuple. Allez, informez-vous exactement sur l'enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que moi aussi j'aille l'adorer. Toi ! Écoute-moi bien. Tu vas surveiller ces idolâtres. Je veux connaître leur moindre mouvement. Tu sauras tout, Seigneur. Venons de l'Orient pour saluer ton fils. Permets-nous de lui remettre les présents que nous avons apportés. Jeune roi, voici l'or qui symbolise la royauté. Voici l'encens qui symbolise la divinité. Voici la myrrhe qui représente l'immortalité. Averti en songe de ne pas retourner à Jérusalem, c'est par un autre chemin que les rois mages se retirèrent dans leur pays. Joseph, lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère et t'enfuis en Égypte, et tu y resteras jusqu'à ce que je te le dise. Car Hérode va chercher l'enfant pour le faire périr. Marie, réveille-toi, Marie. Il faut partir. Sans tarder. Où allons-nous ? En Égypte. Bien. Avant d'entreprendre le long voyage qui les conduira en Égypte, Joseph et Marie emmenèrent Jésus au temple pour le présenter au Seigneur. Je vous en prie, laissez-moi contempler cet enfant. Je m'appelle Siméon. L'Esprit Saint m'a promis que je ne verrai pas la mort avant d'avoir vu le Christ Seigneur. Béni sois-tu, toi qui viens. Maintenant, souverain maître, tu peux congédier ton esclave, car mes yeux ont vu le salut que tu as préparé à la face de tous les peuples. Cet enfant sera un signe de contradiction, et toi, sa mère, un glaive te transpercera l'âme. Entends vite, Joseph. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, fut pris d'une violente fureur et envoya mettre à mort dans Bethléem et tout son territoire tous les enfants de moins de 2 ans. Où allez-vous ? À Petra,
Est-ce que on peut marcher avec vous? Venez. Petra, c'est en Arabie. Une fois là-bas, nous n'aurons plus rien à craindre. Alors est advenu ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Une voix a été entendue dans Rama, longue plainte et cri de douleur. C'est Rachel qui pleure ses enfants et refuse d'être consolée. Joseph, dis-moi, qui est cette créature, mi-homme, mi-bête? C'est un des innombrables faux dieux qu'adorent les Égyptiens. Ils adorent plusieurs dieux? Ce sont des idolâtres, Marie. Arrêtons-nous, Joseph. Prions Dieu. Remercions-le de nous avoir conduits sains et saufs jusqu'ici. Seigneur, fais que nous trouvions l'abri et la subsistance en cette terre étrangère. Joseph, ces gens sont comme nous. Qui es-tu? Je ne te connais pas. Je m'appelle Joseph. Je viens de Judée avec ma femme et mon fils nouveau-né. Alors tu es juif. Pourquoi viens-tu en Égypte? Nous avons fui les persécutions d'Hérode. Toi aussi. Aide-moi à me lever. Sois le bienvenu. C'est l'Éternel qui t'a conduit jusqu'ici. D'où viens-tu? De Nazareth, en Galilée. Moi, je suis d'Emmaüs. Je m'appelle Jacob. J'avais deux fils. Ils sont morts tous les deux, sous le fouet des soldats d'Hérode, en charriant des pierres pour le palais de ce pourceau. Dans ce quartier, nous sommes tous des réfugiés de Palestine. Tous juifs. Que cherches-tu? Un abri pour ma famille.
et du travail. Que sais-tu faire ? Je suis charpentier, menuisier. Oh, c'est le ciel qui t'envoie. Regarde mon bras, il ne m'obéit plus. Le Seigneur a entendu notre prière. Seigneur, le roi, votre père, vient de rendre son âme à Dieu. Hérode mort, voici que l'ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et lui dit « Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère, et retourne au pays d'Israël, car ils sont morts, ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. » Joseph et Marie se rendaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Lorsque Jésus eut 12 ans, ils y montèrent comme c'était la coutume. Puis, les jours écoulés, comme ils s'en retournaient avec la caravane, l'enfant Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Ne le trouvant pas, ils s'en retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Or, au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Et tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. Écoute ce qu'annonce Isaïe. Un rejeton sortira de la souche de Jessé. Alors le loup habitera avec l'agneau. La panthère se couchera avec le chevreau. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Et le nourrisson jouera sur le repaire de l'aspic. Selon toi, quand viendront ces temps messianiques et quels signes les précéderont? Ils viendront quand les yeux de ceux qui regardent seront capables de voir et leurs oreilles d'entendre. Car le prophète a dit, vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Mais enfin, mon enfant, pourquoi nous as-tu fait ça? Vois notre inquiétude. Ton père et moi, nous te cherchons depuis 3 jours. Pourquoi me cherchiez-vous? Ne savez-vous pas que je dois être dans la maison de mon père? Jésus ne voulait pas te blesser. À force de le voir tous les jours, j'ai oublié. Et moi, imbécile que je suis. Oublier quoi, Joseph? Qui est son vrai père? Jésus t'aime comme un fils aime son père. Il aime le pauvre homme que je suis. Il a mangé ton pain depuis ses premières dents. Tu as soutenu ses premiers pas. C'est à toi qu'il a souri pour la première fois.
Moi, Joseph le charpentier, j'ai appris à marcher au fils du Très-Haut. Tu entends ça, toi, Marie? Oui, Joseph, j'entends. Tu as vu comment il leur parlait à tous ces grands savants? Comment il leur répondait? C'est lui qui avait l'air de leur apprendre. Tu te rends compte? À 12 ans. Je vous demande pardon de vous avoir fait attendre. Je vous suis. Il revint avec eux à Nazareth, et il leur était soumis. Et sa mère gardait toutes ces choses en son cœur. Et Jésus avançait en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Non, Jésus, non. Pas comme ça. Comme ça. Le rabot bien à plat. Si tu appuies trop fort, la lame abîme le bois. Je comprends. Voilà, tu as compris. Tu comprends tout d'ailleurs. Il a vécu parmi nous et il a toujours montré l'exemple. Il a craint Dieu, aimé son épouse, élevé son fils selon la loi. Et voici maintenant que toi, Joseph, tu vas aller dormir avec tes pères. Il aura fait de toi un bon charpentier. Les pêches viennent du jardin du vieux Rabbi. Je les ai cueillies ce matin. Le pain que tu as cuit ne ressemble à aucun autre. J'en reconnaîtrai l'odeur entre mille et le goût. Quand dois-tu partir pour Bethabara? Demain à l'aube. Jean m'attend. Mon père a parlé par la bouche du prophète Isaïe. Voici que j'envoie un messager en avant de toi pour frayer ton chemin. J'obéis à mon père. Quand Élisabeth attendait la naissance de Jean, je me souviens qu'elle était toute fière que son fils naisse avant le mien. Elle avait raison d'être fière, car de plus grand que Jean parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'y en a pas. On dit qu'il attire de grandes foules sur les bords du Jourdain. Le nombre de ceux qui viennent chercher le baptême du repentir est considérable. Mais j'ai peur pour Jean. Le tétrarque a juré sa perte. Et les grands prêtres du Sanhédrin l'accusent de sacrilège.
Après Betabara, tu ne reprendras pas le chemin de l'atelier, n'est-ce pas? Non. Où iras-tu? J'irai partout. Proclamer la bonne nouvelle venue de Dieu. Et dire à tous, les temps sont accomplis. Le royaume de Dieu est tout proche. Voici mon dernier travail d'homme. Jean venait du désert. Il portait un pagne en poil de chameau. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Et les gens venaient nombreux afin de se faire baptiser par lui et avouer leurs péchés. Qui es-tu? Je ne suis pas le Christ. Es-tu Élie? Non. Alors qui es-tu? Que nous rendions compte à ceux qui nous envoient. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert et qui dit « Préparez le chemin du Seigneur ». Si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète, pourquoi baptises-tu? Moi, je baptise avec l'eau. Mais vient celui qui est plus fort que moi et qui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Celui-là, je ne suis pas digne de dénouer la courroie de sa sandale. Imposteur, tu abuses tous ces imbéciles! Vengeance de vipère! Qui vous permet de croire que vous échapperez à la colère prochaine? Déjà, la cognée est posée au pied de l'arbre. Tout arbre qui n'a pas de fruit est coupé et jeté au feu! Tu finiras à la langue tranchée, faux prophète! Rabbi, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Laisse faire pour l'instant, car c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais se retournant et les voyant qui le suivent, Jésus leur demande : Que cherchez-vous ? Rabbi, où demeures-tu ? Venez et vous verrez. Tu es Simon, le disciple de Jean. Tu t'appelleras Pierre. C'est toi qu'on appelle Jean le Baptiste? C'est bien moi, car je baptise au nom de Dieu. Et moi, je t'arrête au nom du Tétrarque, mon maître. Ton maître offense Dieu. Il a pris la femme de son frère Philippe et commet l'adultère dans son palais. La puanteur de son péché monte jusqu'au ciel. Dieu puissant, que le palais de ce fornicateur devienne un repaire de chacal!
Mes amis, voici mes frères, ceux qui ont choisi de me suivre. Voici Simon-Pierre et son frère André. Ils étaient pêcheurs sur le lac de Génézareth. Désormais, ils seront pêcheurs d'hommes. Lui, c'est Philippe de Bethsaïde. Et voici Matthieu, le publicain. Jacques, le fils de Zébédée, et Jean, son frère. Lui, c'est Thaddée. Et lui, Barthélemy. Et lui, c'est Judas Iscariote. Des noces à Cana de Galilée, et la mère de Jésus y était. Jésus aussi fut invité, ainsi que ses disciples. Moi, Rabbi, j'ai observé tous les commandements de la loi depuis ma jeunesse, tous. J'ai toujours payé la dîme de la menthe, du fenouil et du cumin. Alors Samuel, si tu veux être parfait, vends ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans les cieux. Mais c'est que j'ai beaucoup de biens et aussi beaucoup d'enfants. Vois-tu, Samuel, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Magnifique, Jézabel. Vois comme ton fils a l'air heureux. C'est un bon fils qui nous a donné bien des satisfactions. Et ton Jésus, ne songe-t-il pas à prendre femme? À 30 ans, il serait temps. La vie de mon fils ne fait que commencer. Ah! Enfin, l'important, c'est qu'il soit un fils respectueux. Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. Faites tout ce qu'il vous dira. Remplissez d'eau ces jarres. Puisez maintenant et portez-en au maître du repas. Tel fut le premier des signes de Jésus. Il le fit à Cana, en Galilée, et il manifesta sa gloire. Et ses disciples crurent en lui. Et Jésus parcourait les villes et les villages,
proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute débilité. Et les 12 étaient avec lui, ainsi que quelques femmes qu'il avait guéries d'esprits mauvais et d'infirmité. Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Montrez-vous donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Allez et prêchez en disant « Le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre, mais le glaive. Je suis venu dresser le fils contre son père, la fille contre sa mère, la bru contre sa belle-mère. L'homme aura pour ennemi ceux de sa propre maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi, n'est pas digne de moi. Et celui qui n'accepte pas sa croix et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Qui aura trouvé sa vie, la perdra. Et qui aura perdu sa vie à cause de moi, la trouvera. Marie de Nazareth, la mère du Christ? Je le suis. Tu permets qu'on s'asseye près de toi? Moi, je m'appelle Marie, comme toi. Je suis de Magdala. Je menais une vie coupable et je connaissais beaucoup d'hommes. Ton fils m'a délivré des esprits impurs qui étaient en moi. Moi, je suis Suzanne. J'étais atteinte d'une maladie de langueur. Jésus m'a guérie. Je suis Jeanne, épouse de Tchouza, l'intendant d'Hérode. J'étais habitée par l'orgueil. J'ai entendu ton fils et il m'a rendu la paix de l'âme. Je m'appelle Salomé. J'ai suivi le maître depuis la Galilée pour écouter ses paroles. Et toi, qui es-tu? Judith de Bethsaïde. Moi aussi, je marche derrière le rabbi. Mais j'ai peur de ne pas être digne de recevoir son enseignement. J'étais une prostituée. J'ai entendu mon fils dire un jour à ses disciples que les femmes de mauvaise vie les précéderaient dans le royaume des cieux. Alors, je suis sûre d'y entrer la première. Ton fils parle bien durement des belles-mères. Serait-ce qu'il les aime pas? Parce que moi, j'ai une bru à Jéricho. Elle m'aime bien. Rassure-toi. Mon fils aime les belles-mères comme les autres femmes. C'est vrai ce qu'on raconte? Qu'est-ce qu'on raconte? Que Jésus n'est pas le fils de ton époux. Est-ce que ça te regarde? Tu devrais avoir honte de colporter des ragots pareils. Ce n'est pas un ragot. Alors, c'est vrai? C'est vrai. Jésus n'est pas le fils de Joseph, mon défunt mari. Oh, mais alors, qui est son père? Un jour, que je venais de cuire le pain dans la maison de mes parents, l'ange du Seigneur m'est apparu. Il m'a dit, l'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son aile.
et tu concevras et enfanteras un fils que tu appelleras du nom de Jésus. Mon fils est né 9 mois plus tard. Mais dis-nous, qu'a dit Joseph? Il m'a dit, daigne entrer dans ma maison. Et il a aimé Jésus. Est-ce que nous pouvons marcher à tes côtés? Mais bien sûr. Et quelle femme ne serait pas heureuse de voyager avec ses sœurs? Et puis entre nous, ça me changera des disciples. Les histoires d'hommes, ça devient vite fatigant. Ça, oui. La renommée de Jésus a gagné toute la Syrie. Des foules nombreuses le suivent, venant de Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et de la Transjordanie. Et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Heureux les pauvres d'esprit, car le royaume de Dieu est à eux. Bienheureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Bienheureux ceux qui seront persécutés à cause de moi. Le royaume des cieux leur appartient. Vous tous, priez ainsi. Notre Père, qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que voulez-vous, les enfants? On voulait voir le rabbi Jésus. Et pendant que vous êtes là, qui garde vos moutons? C'est Jacob. Est-ce que ça vous plairait de connaître le rabbi? On aimerait bien. Alors, allez le trouver, il est là-bas, sous l'olivier. Il sera content de vous voir, allez. Et les enfants, que voulez-vous? Voir le rabbi Jésus. Le rabbi Jésus se repose. Vous ne devez pas le déranger. C'est elle, là-bas, qui nous a dit qu'on pouvait. Mathieu, laisse venir à moi les petits-enfants. Sache-le, le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. Quiconque se fait humble comme ses enfants sera le plus grand dans le royaume. Mes enfants, vous vouliez voir le rabbi, vous l'avez vu, il vous a béni. Maintenant, il faut retourner à vos troupeaux. Celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Ça, c'est pour Jacob, pour le remercier d'avoir gardé vos moutons. Comment tu t'appelles? Marie. Moi, c'est Zacharie. Au revoir, Zacharie.
Au revoir, les enfants. Au revoir, Marie. Je suis le pain de vie. Qui vient à moi n'aura jamais faim. Qui croit en moi n'aura jamais soif. Je suis descendu du ciel pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Oui, telle est la volonté de mon Père. Que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Et les Juifs se mirent alors à murmurer à son sujet, parce qu'il avait dit « Je suis le pain descendu du ciel ». Comment ? Lui, le fils de Joseph le charpentier, a-t-il l'audace de dire « Je suis descendu du ciel » ? C'est bien Jésus, le fils de Marie. Ouais. Quelle présomption. En vérité, je vous le dis, nul n'est prophète en son pays. Rabbi, ta mère et tes frères sont dehors. Ils veulent te voir. Qui est ma mère ? Et qui sont mes frères ? Voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, est ma sœur et ma mère. Jésus, il a dit, qui est ma mère et qui sont mes frères ? Il ne reconnaît même plus sa mère, ni sa famille. Ma pauvre Marie, ton fils te renie publiquement. Moi, je crois que Jésus a l'esprit dérangé. Voilà tout. Nous n'avons plus rien à faire ici. Ils n'ont pas tort, Marie. Le rabbi dit parfois des choses pas ordinaires. C'est vrai. Mon fils dit des choses pas ordinaires. Moi non plus, je ne les comprends pas toujours. Oh, quand il parle en parabole, là, je me creuse la tête. Vois-tu, Marie, mon fils a les paroles de son père. C'est nous qui n'entendons pas ce qu'il dit. Il ne reconnaît pas ses parents. Passe encore. Entre nous, ils ne sont pas intéressants. Mais toi, sa mère... Enfin, pourquoi dit-il qu'il ne sait pas qui tu es ? Ça, c'est entre lui et moi. Pierre, Jacques, Matthieu, Thomas, André... Et toi, Judas, approchez. Au dire des gens, qui est le fils de l'homme ? Jean le Baptiste ? Élie ? Jérémie ? Isaïe ? Abraham ? Mais pour vous, qui suis-je ? Tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Tu es heureux, Pierre. Car ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont inspiré ces paroles, mais mon Père qui est dans les cieux. Eh bien moi, je te dis, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne tiendront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce qui sera lié par toi sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce qui sera délié par toi sur la terre sera délié dans les cieux. Voici que nous allons monter à Jérusalem, où le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux mains des païens pour être bafoué, flagellé et mis en croix. Et le troisième jour, il ressuscitera. Que veux-tu, femme ?
Faut-il que tu montes à Jérusalem? Il le faut. Pourquoi si vite? Parce que tout ce qui a été écrit par les prophètes sur le Fils de l'homme doit être accompli. Il me semble que c'était hier que tu étais un enfant et que je t'emmenais à la synagogue. Je serai toujours ton enfant. Marie, le peuple veut que ton fils soit leur roi. Qui oserait porter la main sur lui? Ceux-là. Fais taire ces gens, Jésus de Nazareth! Ils blasphèment! Ils croient que tu es le roi des Juifs! Tu devrais avoir honte! En vérité, je vous le dis, si ceux-là se taisent, les pierres crieront! Jésus, dis un mot et nous allons saigner tous ces cochons de Romains! Tu deviendras notre roi! C'est Caïphe, le grand prêtre. Même le grand prêtre vient saluer Jésus. Il appelle à l'heure le nouveau prophète perché sur son âne. Jésus se tenait chaque jour dans le temple et le peuple venait à lui. Et lui, étant assis, les enseignait. Et les grands prêtres et les scribes cherchaient à le faire périr. Les notables du peuple aussi. Mais ils ne trouvaient pas ce qu'ils pourraient faire, car tout le peuple l'écoutait, suspendu à ses lèvres. Ils sont tous les jours de plus en plus nombreux. Pourquoi ne l'avez-vous pas arrêté selon nos ordres? Mes hommes n'osent pas. Ils disent... Jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Toi aussi, tu te laisses séduire, et tes hommes avec toi. Je te le demande, y a-t-il un seul, parmi les anciens ou les pharisiens, qui ait cru en lui? Mais la foule, elle, ne connaît pas la loi. Elle croit en lui. Alors, que faisons-nous? Cet homme fait beaucoup de signes. Dois-je le faire saisir? Il ne s'agit pas de l'arrêter, mais de le faire disparaître. Il faut qu'un seul homme périsse pour que la nation tout entière ne périsse pas. Mais comment le peuple le prend pour un prophète? Il faut l'amener à blasphémer publiquement. Alors, nous pourrons l'arrêter et le juger. Mais pas pendant la fête. Il faut éviter une révolte du peuple. Commis l'adultère. C'est une chienne, promise à la lapidation. Où l'amène-t-on? Au dénommé Jésus, le faux prophète de Nazareth. Il faudra bien qu'il nous dise s'il est prêt à respecter la loi. Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Dans la loi, tu le sais, Moïse prescrit de lapider ces femmes-là. Toi, que dis-tu? Il disait cela pour le mettre à l'épreuve. Mais Jésus, se baissant, se mit à écrire avec son doigt sur le sol. Que dis-tu? Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché
lui jette la première pierre. Femme, personne ne t'a condamnée. Personne, Seigneur. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. En vérité, je vous le dis, l'un d'entre vous me livrera. Demande-lui qui est celui dont il parle. Seigneur, qui est-ce ? C'est celui à qui je donnerai cette bouchée. Est-ce moi, Seigneur ? Tu l'as dit. Ce que tu dois faire, fais-le vite. Mes chers enfants, je n'ai que peu de temps à être parmi vous. Vous me chercherez, mais là où je vais, vous ne pourrez pas me suivre. Seigneur, où vas-tu ? Où je vais, Pierre ? Tu ne pourras me suivre aujourd'hui, mais plus tard. Seigneur, si nous ne savons pas où tu vas, comment saurions-nous le chemin ? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient vers le Père que par moi. Pourquoi ne puis-je te suivre à présent ? Je donnerai ma vie pour toi. Tu donnerais ta vie pour moi ? En vérité, je te le dis, avant que le coq ait chanté, tu m'auras renié 3 fois. Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Voilà si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Qui m'a vu, a vu le Père. Je vais vous donner un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. C'est ainsi que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Prenez et mangez. Ceci est mon corps. Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle qui va être répandu pour la multitude en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. Pourquoi veut-il qu'on mange son corps et qu'on boive son sang ? Mais j'en sais rien, moi. Oui. Eh bien, moi, je m'en vais d'ici. Ces gens-là sont des païens.
C'est sûr qu'il pratique des rites défendus. Je vous le livrerai cette nuit. Où ? Au jardin de Gethsemane. Il s'y rend chaque soir. Il fait nuit. Comment le reconnaîtrons-nous ? Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui. Arrêtez-le et emmenez-le sous bonne garde. Voilà ton salaire. Il y a là 30 deniers. Compte-les. Dis-moi, Judas, pourquoi au juste nous livres-tu ton messie ? Devine. Asseyez-vous ici, pendant que je vais prier. Mon âme est triste à mourir. Demeurez ici, éveillé. Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. Mais que ta volonté soit faite, et non la mienne. Ainsi, vous n'avez pas la force de veiller une heure avec moi. Voici l'heure où le Fils de l'homme va être livré aux mains des pécheurs. Voici tout proche celui qui va me livrer. Salut, Rabbi. C'est par un baiser que tu devais me trahir. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'emmenèrent chez Caïphe.
Pierre le suivait de loin jusqu'à la cour du grand prêtre. Et entré à l'intérieur, il se tint avec les gardes pour voir comment cela finirait. On l'a arrêté, c'est pas trop tôt. C'est un agitateur. Un sacrilège. Un nazaréen. Et il a même blasphémé dans le temple. Je le sais, j'y étais. De qui parle-t-il ? Il parle de Jésus, le faux prophète. Ah bon ? Toi, je te reconnais ! Tu étais avec Jésus, le nazaréen ! Femme, tu ne sais pas ce que tu dis. J'en suis sûre, il était avec lui ! Sur ma tête, je jure que je ne connais pas cet homme. Elle a raison. Je t'ai vu avec lui dans le jardin. Par tous les diables de l'enfer, je ne connais pas cet homme dont vous parlez. Le matin venu, tous les grands prêtres et anciens du peuple livrèrent alors Jésus à Pilate, le gouverneur romain de la Judée. Pilate, écoute-moi. Que veux-tu encore ? Je t'en prie. Tu ne crois pas que j'ai assez dans le nez et que c'est fanatique ? Je t'en supplie, ne te mêle pas des affaires de ce Jésus. J'ai beaucoup souffert en songe cette nuit à cause de ce juste. Bon, calme-toi. Il n'y a rien à reprocher à cet homme. Je le relâcherai après l'avoir châtié. Ton fils n'a commis aucun crime aux yeux des Romains. Pilate devrait le relâcher. Portez-vous contre cet homme. S'il n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. Et s'il est coupable, prenez-le et jugez-le selon votre loi. Tu es le roi des Juifs. Dis-tu cela de toi-même ? Ou d'autres te l'ont dit de moi ? Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré entre mes mains. Qu'as-tu fait ? Procurateur, nous avons une loi. Et selon cette loi, il doit mourir parce qu'il s'est dit fils de Dieu. Si tu relâches cet imposteur, tu n'es pas l'ami de César. Nous n'avons de roi que César. Tu entends ce qu'ils attestent contre toi ? Alors ? Tu l'as dit. Je suis roi. Je ne suis venu au monde que pour faire connaître la vérité. Qu'est-ce que la vérité ? C'est une coutume de relâcher un prisonnier le jour de la Pâque. Voulez-vous que je relâche le roi des Juifs ou Barabbas ? Barabbas ! Le pire est Barabbas ! Et Barabbas est un brigand condamné pour meurtre et sédition. Et d'où es-tu ? Si tu ne parles pas, tu te condamnes toi-même. Tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de te relâcher ou de te crucifier. Cet homme n'a rien fait qui mérite la mort.
Seigneur, si tu t'acharnes à sauver cet illuminé, tu risques des complications avec Rome. Le divin César n'aime pas les troubles en province. Je suis innocent du sang de ce juste. Marie, que veux-tu faire ? Le suivre. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Femme, voici ton fils. Jean, voici ta mère. Mon Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Or, il y avait un jardin au lieu où Jésus avait été crucifié. Et dans ce jardin, un tombeau neuf. C'est là qu'ils déposèrent Jésus. Vous deux, vous montrez la garde cette nuit. Et ouvrez l'œil. Tu es responsable devant le procurateur, centurion. Si les disciples de ce Jésus venaient cette nuit dérober son corps et proclamer qu'il a ressuscité, tu devrais rendre des comptes. Vous autres juifs, vous êtes décidément des gens compliqués. Dans un an, plus personne ne se souviendra même de son nom. Le matin du premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au tombeau
portant les aromates qu'elle avait préparés. Elle s'aperçut alors avec surprise que la pierre avait été déplacée. Pourquoi chercher le vivant parmi les morts? Pruny! Sois sans crainte. Va dire à mes frères qu'ils doivent aller en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Il est ressuscité le troisième jour, comme il l'avait dit. Moi, je le croirai quand je le verrai. Mais je l'ai vu, comme je vous vois. Il m'a dit, va dire à mes frères qu'ils doivent aller en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Dès cette heure-là, Jean, le disciple, accueillit Marie chez lui. Marie, petite fille de Nazareth, toi, plus jeune que le péché, nous savons que tu es pour jamais infiniment grande, parce qu'infiniment petite, infiniment joyeuse, parce qu'infiniment douloureuse, infiniment éternelle, parce qu'infiniment temporelle. Infiniment céleste, parce qu'infiniment terrestre.